Aujourd'hui, Anna, on ouvre notre propre école sur Roblox. Ouais, et du coup, t'as le cadeau, tu vas devenir directeur. Je vais devenir directeur. J'espère que tu seras un directeur sympa quand même. Hein. Ouais, moi je serai un... Alors je vais tout autoriser, moi. Moi, je vais tout autoriser, je te dis. J'autorise tout à l'école. Ouais, à ce point-là. Ouais. Moi, dans mon école, tu sais qu'il n'y avait pas le droit aux bobos. À un moment, ils ont interdit les cartes Pokémon. À un moment, ils ont interdit les cartes Yu-Gi-Oh, les Beyblade, tout ça. Ils ont non, tout mais interdit. Les cartes Pokémon, c'est normal, sinon après, il y a du vol. Mais non, mais les cartes Pokémon, mais là, tu veux jouer à quoi alors? On va jouer avec des cailloux ou quoi? Non, mais c'est quoi? Tu joues avec des cailloux. Bah, c'est nul. Bon, moi, je trouvais ça rigolo de jouer avec des cailloux. Bah, non, je rigole, j'ai jamais joué avec des cailloux. Même les billes, ils les avaient interdits. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, tiens, t'as le cadeau, je vais te raconter une anecdote sur les billes qui m'est arrivée. Ah, vas-y, raconte. J'avais emmené mon gros sac de billes à l'école, j'en avais vraiment beaucoup. Et mon sac dans le préau, il a lâché. Tu sais que moi, une fois, je me suis fait voler ma trousse de billes. J'avais trop le seum. Oh là là, le nombre de fois où je me suis fait voler des trucs à l'école. Je me suis fait voler. Ah ouais, moi aussi. Oh, je me suis fait voler ma carte Yu-Gi-Oh! Dragon blanc aux yeux bleus. Non, pas dragon blanc aux yeux bleus. C'était dragon poussière d'étoile. Oh, j'avais trop le seum. Dragon poussière d'étoile. Les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, j'avais le seum. Il y a un. Oh là là, quand j'étais à l'école, mais j'étais tout gentil et tout. Et moi, je me faisais péter mes trucs. Oh, j'avais trop le seum. Moi, c'est la seule chose que je me suis fait voler, mes billes. Parce que après, sinon, ça va en vrai. Non, j'ai très attention à mes affaires. Oh, je me suis fait voler mes billes, j'avais tellement le démon. Oh là 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 là. Vraiment là les billes, oh là là, vraiment. Chacha. C'est pour ça après je faisais. Bon après je pense que je faisais attention, mais. Ah là là, quand on est gosse, vraiment c'est vraiment pas cool. Qu'est-ce que tu collectionnais, toi, t'as le cadeau dans ton école? Oh, les cartes Pokémon, hein. Toujours, hein. Et toujours. Quoi d'autre? Quand t'étais en primaire. En primaire, j'avais ma période Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! J'ai trop aimé. Pokémon, les billes, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, il y avait souvent les effets de mode aussi. Des fois, il y avait les PES, je sais pas si. Non, pas les PES, ouais, mais il y a tout, il faut tout dire. Je sais pas, il y avait quoi, mais je sais plus, il y avait quoi. Qu'est-ce que j'ai eu? Je sais plus, j'ai eu quoi. Attends, j'achète juste un concierge pour 99 Robux, comme ça, il va me faire le ménage, il va me rapporter de la thune. Celui-là, hop là, il a intérêt à bien bosser, hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Je sais pas, vas-y, parle-moi de trucs, de jouets, là. Moi, je sais que la plus grosse mode que j'ai eu dans mon école, c'était les cartes de catch. Ah, les cartes de... Mais tu sais que moi, j'aimais pas le catch quand j'étais petit. Ah, mais moi, j'étais trop fan. Ah ouais? Non, mais attends, mais toi... Mais trop fan. Non, mais attends, mais moi... Mais quand j'étais petit, je voulais être catcheuse. Ah ouais, non, mais moi les catch... Moi, le catch, tu sais que j'ai jamais aimé le catch. Alors là, j'avais des posters. Moi, je savais tout, trop fan. Le catch, je connaissais un peu et tout, mais maintenant, aujourd'hui, le catch, genre, limite, je j'apprécie le catch aujourd'hui. Genre, quand ouais, je vois. Moi, j'ai toujours aimé. Donc là, récemment, il y a eu. Je sais plus le nom de l'event, comment ça s'appelle, les events de catch. Mais il y a eu. Là, il y a eu. Je sais pas si t'as vu. Mais il y a eu un event de catch là avec The Rock, John Cena et tout. Ouais. Là, le week-end dernier. Avec iShowSpeed, le youtuber. Je sais pas si tu vois qui c'est, le streamer. Non, je connais pas. Tu connais pas, là, un des plus gros streamers américains. C'était trop drôle. Et vraiment, le catch limite, j'apprécie ça aujourd'hui. Alors que le catch aujourd'hui, c'est un peu mort, quoi. Le catch, ça, c'était vraiment la mode il y a 10 ans, quoi. Il y a 14 ans. C'était dans début des années 2000, jusqu'en 2012, 2014, quoi. Voilà, c'est tout. Qu'il y avait aussi les Toupie Beyblade. Ouais, Toupie Beyblade. Nous, ils l'ont interdit super rapidement. Dans mon école primaire à l'époque, ils l'ont interdit, mais rapidement. Moi, je sais que j'avais la Toupie Beyblade, le crabe, là. Je sais plus, crabby, je sais plus. Alors, moi, j'en avais pas un. C'était pas mon truc. C'était vraiment les trucs de garçon, les Beyblade. Ah ouais, attends, le catch, c'est un truc de garçon aussi, en vrai. Ouais, mais j'aimais bien. Les Beyblade, non, j'aimais pas. Ok, et il y avait quoi? Il y avait les... Comment ça s'appelait? Les Bakugan aussi. Ah, les Bakugan. Les Bakugan, j'en ai eu. Alors, les Bakugan... C'est pour les filles, c'était les Zubbles. Les Zubbles? Je sais pas, ouais, c'est quoi. Ouais, ça s'appelait les Zubbles. Mais en fait, c'était comme les Bakugan, mais juste, c'était des animaux, un peu comme les Pet Shop. Ok, ouais, je vois pas trop ce que c'est. En fait, si je verrais une photo, peut-être que ça me dirait quelque chose. Ouais, c'est quand on mettait sur un aimant, ça sortait. Ok. Ah, mais oui, je vois ce que c'est. Oui, si, je vois totalement ce que c'est. Ah ouais, non, mais vraiment, à l'école, on en a eu des trucs quand même, hein, des effets de mode. Ouais, et moi aussi, j'avais les posters de stars. On collectionnait les magazines de stars. Après, je crois que c'était propre à mon école, ça. On collectionnait les magazines de stars et on avait plein de posters et tout. Ok, à l'époque, genre c'était, One Direction, Justin Bieber, et tout comme ça. Ouais, je pense que les filles, elles étaient un peu comme ça aussi. Mais il y avait Katy Perry, Miley Cyrus. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment.
vraiment notre génération. Mais par contre, je sais pas c'est quoi la mode à l'école. Parce que nous, moi, la dernière grosse mode, je pense qu'il y a eu à l'école. Mais à la fin, j'étais au lycée, collège à cette époque-là, c'était les Unspinners. Mais oh, ouais, moi aussi. Oh mais, bah ouais, tout le monde en avait. Mais ça, mais après, il n'y a pas eu d'autres grosses. Et après, quand on est parti, il y a eu les Pop-It, mais on était parti déjà. Les Pop-It. Ah oui, il y a eu les Pop-It. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'étais plus à l'école, les Pop-It. Ouais, moi non plus. Mais les Unspinners, ouais, j'ai connu les Pop-It. J'ai vraiment pas compris le délire du Pop-It. Enfin, je pense, bon, c'était comme l'Unspinner. Ah, moi j'en ai un. T'en as un, toi? Non. Ouais, c'est hyper satisfaisant, genre. Ah, mais c'est une dinguerie, hein. J'en ai un seul, hein, mais des fois j'utilise. Ah ouais, ouais. Ah punaise, c'est. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, c'est fou. Bon, alors là, on a fait quoi comme classe? On a fait la classe d'anglais, la classe de maths. On a fait quoi d'autre? Là, on va améliorer zone de nettoyage. Ah ouais, là, ok, d'accord, c'est pour nettoyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il faut que j'améliore ça. Ok, là, il y a cours d'espagnol. Ok, là, on met l'espagnol. Oh, l'espagnol. Alors là, est-ce qu'on peut faire un débat parallèle sur l'espagnol? Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle sur l'espagnol? Vas-y. Tu m'autorises? Est-ce que. Bon, t'as fait espagnol au collège, je suppose? Ouais. Ok. Moi, j'ai fait espagnol au collège, au lycée. Et vraiment, les profs d'espagnol. Mais mes profs d'espagnol, mais quelle bande d'enflure. Et je reste poli. Vraiment, je pense tous les profs d'espagnol que j'ai eu, je pense que les profs d'espagnol, c'est les pires profs. C'est les pires profs de la Terre. En fait, je trouve qu'ils ont l'air gentils en apparence, mais ils mettent vraiment des sales notes. Non, ils sont vicieux. Ils sont vicieux. Et pourtant, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai pas de haine contre les profs. J'ai toujours été un élève modèle et tout. Pour vous dire, j'ai jamais eu un mot dans mon carnet, des trucs comme ça. Prenez exemple. Soyez comme moi, ok? Moi, je suis un exemple pour la société, ok? Et bah, écoutez, les profs d'espagnol, c'est les profs, ils me font péter un câble. Déjà, ils arrivent le matin, ils t'interrogent, tu dois réciter ta leçon. Mais c'était ma phobie. Je connaissais ma leçon. J'arrivais devant, mais je pouvais plus la sortir. Tellement je me pissais dessus quand je passais devant la classe. Ah non, mais ça, les profs d'espagnol, vous êtes vicieux. Vous êtes vicieux, vous êtes méchants. Je vous déteste, les profs d'espagnol. En plus, les profs d'espagnol, ils s'appellent tous Lopez, hein. Tous les profs d'espagnol, ils s'appellent Lopez. Donc, vous êtes tous de la même famille. Je vous déteste. Ok, hop là. Si, en tout cas, il y a mes profs d'espagnol qui passent par là, sachez que je vous déteste. Hop là. Allez, hop là. Mais c'était quoi ta matière préférée, toi, à l'école? J'aimais beaucoup le français. Ouais, français. J'étais pas très forte, mais j'aimais bien parce que j'aimais bien les histoires et tout. Français, j'avais des bons profs de français, moi. Je crois que j'avais des bons profs. Moi aussi, j'ai eu. Juste au début collège, j'ai eu vraiment un prof bizarre, mais sinon, j'ai eu des très bons profs de français. Ouais. Et j'aimais bien l'art plastique, art appliqué. Ouais, je vois. Bah, après, t'adores ça. Mais en tout cas, les profs de français, je sais que moi, j'avais un prof. J'ai eu un prof, je l'ai eu deux fois, je crois. Ouais, je l'ai eu deux fois, je crois. Je l'ai eu en cinquième. Je l'ai peut-être eu qu'une fois. Ah, j'ai un doute, je sais plus. Et ouais, je crois que je l'ai eu qu'une fois. Mais quel prof. Quel prof incroyable. Et ouais, non, prof de français. Ouais, prof de français, je crois que j'ai eu que des bons profs de français. Mais quand j'étais au lycée, ouais. Il y avait l'anniversaire de ma prof de français et elle était pas hyper aimée, elle se faisait pas hyper respecter. Mais moi, je l'aimais bien. Et du coup, avec mes copines, on lui avait emmené un petit gâteau, une petite tarte à la fraise. Ah, pour son anniversaire. Ça, c'est gentil. Elle était super émue. Ça, c'est gentil. Ouais. Non, les profs, en vrai, il y en a. Oh, la pire prof que j'ai eue. Dites-nous en commentaire vos expériences à l'école. Moi, la pire prof que j'ai eue. Alors là, par contre, c'est une prof, je vous promets. Là, pour le coup, les profs d'espagnol, c'est rien à côté de cette prof-là. C'était une prof d'anglais. Et j'en ai rien à faire. Comment elle s'appelait? Ah, je sais plus son nom. Mais vraiment, mais quelle peste! Attends, tu sais ce qu'elle faisait? Ah non, mais c'est une dinguerie. Écoutez-moi, les abonnés. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'elle faisait? En gros, t'avais le malheur. C'était au lycée. C'était en seconde. Si t'avais le malheur de brancher ton téléphone portable, elle te mettait un mot dans le carnet parce que tu consommais l'électricité de l'école. Parce que, et en gros, elle fait ouais, c'est pas vous qui payez la facture d'électricité, et elle te mettait un mot dans le carnet. Je trouve que c'est une dinguerie d'être comme ça. Surtout que bon, voilà, c'est l'école, tu la payes, tu vois. Genre, j'ai envie de te dire, que tu sois dans le privé ou dans le public, dans tous les cas, l'école, une facture d'électricité pour charger un téléphone, ça coûte moins de 10 centimes. Hein. Faut savoir, hein. C'est quand même une dinguerie. Sachant que bon, l'école, tu la payes, hein. Que tu sois dans le privé, c'est tes parents qui la payent, et dans le public, tu payes avec l'argent des impôts. Donc bon, qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Mais je trouve que c'est une dinguerie. Et moi, comme j'étais interne, de toute façon, fallait bien que je me branche à un moment donné. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Et elle arrivait et elle te mettait un mot dans le carnet. Et même si c'était pas ton nez, même si t'étais pas
pas enfin c'était pas t'étais pas c'était pas ta prof, tu vois. Genre si tu veux aller ouais, il y a des profs ils sont vraiment bizarres. Moi mais j'avais une prof de physique, elle était folle. J'ai pas d'autre mot, elle était juste folle et non, elle était folle, hyper connue dans ma région. C'est vraiment une prof, elle est hyper connue parce qu'elle est folle. Ah ouais, non mais c'est une dingue. Hyper folle. Ah, mais et c'est une dingue. En fait elle se faisait super respecter. Elle était toute petite mais elle se faisait hyper respecter parce que elle était vraiment folle quoi. Et si t'avais le malheur de même faire un sourire dans sa classe, t'avais un mot dans le carnet direct. Ah ouais, direct. À la dinguerie. Elle prenait pas le temps, elle prenait pas le temps. Ah ouais, la dinguerie. Ah non mais moi je sais que j'ai eu des profs incroyables en général. Prof d'SVT, j'en ai en tête là des bons profs, mais alors des enflures de profs. Oh là là, et je pèse mes mots. Hein. Vraiment c'est parce que je suis en vidéo, parce que sinon je vous jure que les mots ils sortiraient, ils seraient un peu plus durs. J'ai combien d'élèves là? Parce que je parle. Combien est-ce que j'ai d'élèves? J'ai 49 étudiants. T'as combien d'étudiants? Ah, j'en ai 50. Oh non mais c'est quoi ce délire? Pourquoi on se fait que t'en es 50 là? Non mais attends, depuis quand t'as plus d'élèves mais que parce moi? Parce que en fait moi j'ai laissé le droit d'être sur son téléphone à l'école, c'est pour ça. Mais attends, mais d'où on fait ça? Non, bah, mais attends. J'ai fait ça. Non mais toi t'as fait ça. Bah moi pas de téléphone. Moi pas attends, de téléphone. Mais parce que quand t'étais au lycée, attends dans la cour d'oré écrite, t'avais pas le téléphone. Si il y avait le droit. Ah oui. Même enfin même dans les couloirs et tout. Bon en classe t'avais pas le droit, mais bon les gens le. Moi une fois ma prof de maths elle m'a pris mon téléphone au lycée. Hein. Ah ouais? Alors que je répondais à ma mère. Eh bah fallait pas répondre à ta mère. Voilà. Non, je me suis fait prendre mon téléphone. C'est arrivé qu'une seule fois. Tu t'es fait confisquer. Non mais t'as pas honte. Non mais à ton âge, je me suis jamais fait confisquer. En plus c'était un vendredi donc j'ai cru que mon téléphone allait rester tout le week-end là-bas. Oh, bah non, normalement ils ont pas le droit de garder ton tel au lycée. Ouais, enfin, mais quand j'étais dans un lycée privé et très strict. Ah ouais. Ils auraient pu. Ouais, moi, ouais. Ouais, bon. Moi c'était strict aussi quand même. Moi ils aimaient trop faire. Moi en fait, il y en avait. En fait, moi j'étais ça, les gens qui font les cow-boys. Genre aujourd'hui vraiment, je me dis, mais il y en a, mais ils font les cow-boys. Mais c'est une dinguerie. Genre vraiment, ils sont là. C'est n'importe quoi. Bon, je vais après acheter des Robux. J'ai plus de Robux. Bon, bah c'est super. J'ai plus du tout de Robux. Je sens que je vais aller mettre un peu de Robux. Tac. Bon, alors, déjà, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre l'argent x2. Je vais prendre l'argent x2. Hop là, parce que j'ai pris ça. Mais ouais, pour en revenir, il y en avait, ils faisaient trop les cow-boys. Hein. Il y en avait, ils faisaient trop les cow-boys. Ça, j'aime pas les gens qui font trop les cow-boys dans la société en général. Super vitesse, argent infini et ça automatique. Non, j'ai pas besoin. Hop là. Allez, c'est parti. T'as combien d'élèves là, Anna? J'en ai 61. T'en as 61. Ok. Alors, t'en as combien toi? J'en ai 53. Mais okay. Comment tu fais pour en avoir autant? Bon, je sais pas du tout. Tu sais pas du tout. Ok, bon bah très 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 bon à savoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Là je peux avoir ça. Mais ça coûte 2000 Robux, c'est cher. L'argent fini, 2000 Robux, ça fait rush. Je vais peut-être prendre par contre le truc automatique pour 189 Robux. J'ai pas beaucoup dormi les amis. Si je suis en train de bafouiller et tout, c'est que je suis fatigué. Ah, j'ai un animal de compagnie, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Boutique. Je vais prendre la collecte automatique. Ouais. Collecte automatique cash. Hop là, boum. Tac, tac, tac. Ok, ça c'est fait. Et boum. Ok, normalement à partir de maintenant, ça se remplit. Ouais, parfait. Ok, alors où est-ce qu'il faut? Donc là, il faut que j'aille voir ce qu'il y a. Alors, voyons voir ce qu'on a. Tac, tac, tac. Ok, donc là, les lumières. Là, c'est une salle de quoi? Alors là, on va deviner. Ah, physique-chimie, juste là. Hop là. Hop là, ici. Les décos. Ah non, c'est pas physique-chimie. C'est physique-chimie ou pas? Ah, c'est peut-être pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est biologie, non? Attends, je vais regarder. Économie. Ah non, c'est économie. Ah ouais. Ah. Économie. D'accord. Là, c'est quoi? Pour 169 Robux, je peux mettre le théâtre. Bon, écoutez, on va le mettre. Hein. On va mettre cours de théâtre pour avoir plus d'étudiants. Comme ça, on va dépasser Anna. Et comme ça, il y a des gens, ils vont venir en spé théâtre. Ouais. T'as combien d'étudiants là? Là, j'en ai 62. T'as 62 étudiants? Ok, j'en ai 59. Bon, alors il faut que je me dépêche et il faut que je te rattrape là, Anna. Il faut que je te rattrape. Bah, tu vas pas peiner si t'achètes des trucs. Comment? Tu vas pas peiner si t'achètes des trucs. Ah non, ça, je vais pas peiner. Hein. Comme le théâtre et ça, tout. Ça, je vais pas peiner. J'ai acheté le théâtre, mais il y a que ça à acheter, je crois. Il y a que ça de payant. Je crois, enfin, du moins pour l'instant. Alors, on va continuer à acheter ça. Je vais peut-être prendre la rapidité aussi. Alors là, c'est quoi? Classe de biologie. Ok, là, on met la bio. Hop là, bio. Hop là. C'était quoi la matière où t'étais la plus nulle? Mais vraiment la plus nulle. Genre vraiment, t'étais vraiment rainé. Mais vraiment rainé de zinzin. Peut-être SVT, j'étais vraiment SVT. Pas forte. Ah ouais, ouais. Moi les matières scientifiques au lycée, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal, j'ai vraiment...
Bah, étonnamment, j'étais vraiment très nulle en SVT au collège. Après, au lycée, comme j'ai fait un bac pro avec de la biologie et tout, bah, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça a été. Ouais, j'ai capté. Et le sport aussi, j'étais pas... Sport, ça va ? Non, j'étais pas très... En fait, c'est pas que j'étais pas forte, parce que je faisais les exercices, mais je partais beaucoup en cacahuète en sport. Ah ouais ? Oui. Ah ouais. Du coup, j'avais souvent des mauvaises notes parce que je faisais des bêtises. Tu faisais des bêtises ? Attends, oui, mais puis en fait, j'étais tout le temps dans les... Non, mais en plus, non. Ah, mais alors, des déjà, bêtises, faisais... mais attends, mais pas des bêtises. Pas des bêtises, mais je partais en cacahuète tout le temps. Je partais en cacahuète, en sport. Des bêtises. Et en plus, j'étais tout le temps dans les groupes des filles qui faisaient rien. Ouais. Alors, du coup, forcément, bah, on mettait une mauvaise note parce que j'étais dans le groupe de ceux qui faisaient rien, alors que moi, je m'investissais bien et que je faisais vraiment tous les exercices demandés. Eh, vraiment, le pire sport en sport, c'est l'acrosport. Hein. Eh, ça fait ah, que... Moi, j'aimais bien. Ah non, vraiment. Eh, vraiment, s'il y a le ministre de l'Éducation nationale qui regarde... Enfin, la ministre de l'Éducation nationale qui regarde ça, enlevez-moi l'acrosport. Hein. C'est pas un sport, c'est un truc de clown. Bah après, pas. Comme moi j'étais petite et toute fine, bah ouais, on faisait des super mais... figures parce mais que tout ouais, le monde pouvait mais me porter. C'est... Mais c'est pas du sport, faut faire du foot, faut faire du, je sais pas moi, du basket. Enfin, il y en a, alors, j'ai fait basket, mais. On va parler du basket, non ? On va parler du basket, t'as le cadeau. Moi j'ai fait du basket au lycée et ça s'est très mal passé. Ah ouais ? Tu t'es pris un ballon dans la tête ? Non, c'est la seule fois où je me suis pris la tête avec une prof. Ah ouais ? Surtout dans mon lycée, ça c'était jamais arrivé, mais ça arrivait une fois, je me suis pris la tête avec la prof de sport à cause du basket. Ah ouais, ouais. Eh bah dis donc, je sais pas ce que t'as fait, mais... Bah, j'arrivais pas à faire l'exercice parce que bah, j'étais nulle en basket. Ouais. On peut pas être fort à tous les sports, comme on en fait beaucoup, bah... Et elle m'a beaucoup crié dessus pour pas grand-chose. Ouais, pour pas grand-chose, finalement. Ah ouais. Et du coup, bah, je m'étais pas laissé faire. Ah ouais, toi t'es une thug, toi. Toi, tu réponds et tout. Non, pas du tout, pourtant, mais c'est que ça m'avait... Je pense que je devais être fatiguée, énervée. Ah ouais, et moi... Très bien passé. Ah non, mais c'est pareil, les trucs là, c'est quoi ça? C'est sport de Golemon là, frisbee. Non, mais attends, on est où là? Non, ça c'est par contre super nul. Ultimate. Mais non, mais Ultimate, c'est quoi ces trucs de Golemon là, sérieusement? Non, mais faut arrêter. Eh, à l'école, en tout cas, j'écoute s'il y a quelqu'un, là, s'il y a le fils d'un ministre, d'un député, de je ne sais quoi, faites voter une loi et là, vous arrêtez de nous mettre des sports de Golemon à l'école. Hein, qu'on soit un peu bon en sport. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le badminton. Non, mais attends, le badminton, ouais, ça, le badminton, ça allait. Parce que je me doute bien qu'on peut pas faire de tennis, des trucs comme ça. Ça, je me doute bien qu'on peut pas faire de... qu'est-ce qu'on peut pas faire? On peut pas faire de... Le football, on peut. Il faut juste une balle, des cages. Des terrains de foot, il y en a dans toutes les villes. On soit bien d'accord, même s'ils sont pourris, au moins... Enfin, il n'y a pas d'argent, on peut quand même faire du foot. Mais attendez, mais du frisbee. Mais c'est quoi ça? C'est pas du sport. Hein? Non, mais attendez, en plus, ça fait des campagnes de prévention contre l'obésité. Et là, t'es en train de faire du frisbee, mais tu crois que tu vas perdre du poids à faire du frisbee. Non mais où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Hein, j'ai l'impression qu'on est, je sais pas moi, faut faire du cricket aussi pendant que vous y êtes là. On va faire comme en Inde, on va faire du cricket. Quand j'étais au collège, j'avais fait association sportive, on avait fait de l'escalade, du canoë. Mais c'était ouais. Trop bien. Ouais, après ça, tu vois, ça c'est vraiment après, association sportive. En plus des cours. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est avec la S quoi. Mais sinon, ouais. Sinon vraiment là les, non mais les trucs, mais j'en reviens pas. Faire du frisbee, de la cross sport, là. Ouais, voilà, fait du même honnêtement le ping pong, vous voyez, ça passe. Le ping pong, oh, ça passe. Trop bien, le ping-pong. Moi, le ping-pong, je kiffe. Moi, honnêtement, ah ouais, et même en étant objectif, le ping-pong, je trouve ça c'est un bon sport. Genre, c'est, bah, en fait, c'est le tennis. En fait, c'est, bah, moi, j'ai fait du tennis pendant tennis 8 ans. Tennis de table, c'est ça du tennis. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est. Bah, à l'école, c'est sûr qu'on peut pas faire du tennis parce que c'est déjà raquette. Et puis, savoir maîtriser une raquette, c'est assez compliqué. Enfin, c'est quand même. Ça se fait pas comme ça, hein, savoir taper dans une balle. Mais vraiment, je trouve que. Eh, faites des trucs intelligents. Hein. Trucs intelligents, ça peut être bien. Par contre, je pense que je vais clairement prendre l'argent infini. Parce que là, ça va pas. Là, je vais prendre l'argent infini parce que ça me fait péter un câble. Ok, qu'est-ce argent. Qu'est-ce que t'avais fait comme activité en plus des cours, toi, t'as le cadeau? Moi, quand j'ai rien au fait. J'ai rien fait. Non, t'as rien fait. J'ai rien fait. À du l'école, tout. T'as rien fait. J'ai rien fait du tout. J'ai pas fait de sport en plus parce que pourquoi parce que. Je parle pas forcément de sport, juste des activités en général. Non, j'ai rien fait de plus. Ah ouais? Ouais, non, moi c'est clairement. Clairement, moi, c'était jeux vidéo. Hein. Moi, j'étais un. Moi, c'était. Bah, les jeux vidéo. Je sais que quand j'étais au collège, entre midi et 2, on pouvait faire des activités. Ouais. Et j'avais fait danse, j'avais fait cirque, bah, jonglage, tout ça. J'avais fait club cinéma en troisième, j'avais fait chorale, j'avais fait plein de trucs. Ah ouais, non, moi. Ouais.
Moi, j'ai pas fait. J'ai au primaire, on faisait des activités et tout. Nous, dans mon école primaire, parce que moi, dans mon école primaire, je finissais à 15h30. Et, okay. Et ouais. Et par contre, j'avais école le mercredi. Donc, j'étais dans une école privée. Voilà, j'étais dans une école privée. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, enfin bref. Et du coup, c'est pour ça, parce que dans le public, normalement, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, dans le privé, moi, à partir du en CP, j'avais cours le mercredi matin. Et par contre, je finissais tous les jours à 15h30. Mais c'est normal, ça, c'était tout le monde à l'époque. Non, parce que justement. Moi, quand j'avais quitté. Non. Ah ouais, non, c'est vrai. Parce que justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mémoire, si je me rappelle bien, monsieur Nicolas Sarkozy et le ministre de l'Éducation nationale de monsieur Nicolas Sarkozy à l'époque avait fait voter une loi pour que tout le monde ait cours le mercredi. Et quand monsieur François Hollande est passé à l'État, madame Nadja Vallaud-Belkacem, la ministre à l'époque de monsieur François Hollande, a réenlevé l'école le mercredi, il me semble. Il y a une histoire comme ça, de mémoire. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu école le mercredi. Donc, en moi, primaire. J'ai eu école le mercredi, enfin moi ça changeait rien, j'avais quand même école le mercredi. Par contre, je finissais à 15h30 et ça, je trouvais ça plutôt bien. Le problème, c'est que les parents, eux, comment ils font, vu que 15h30 c'est tôt quand même, tu vois. C'est tôt, c'est-à-dire que les parents doivent trouver un moyen de que les gens, que quelqu'un aille chercher leurs enfants à l'école. Parce que 15h30, pas beaucoup de gens finissent le travail à 15h30, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais du coup, on avait des activités le soir. Donc on pouvait faire du sport, de l'art, des trucs comme ça. Ouais, tu moi vois. Aussi j'avais ça au lycée. Voilà, du coup, c'était. Parce que on finissait ça à 15h30 aussi. Ok, d'accord. Et on avait des activités le soir obligatoire par contre. Ok, ouais. Ouais, nous c'était pas obligatoire. Mais en tout cas, voilà, moi j'aimais bien. Ah, il y a des cours de cuisine là. J'ai culinary, ok. T'as combien d'étudiants là? 72. 72, j'en ai 102. Il y a un problème maintenant? Non, il y a voilà, pas de problème. Je préfère. Maintenant, je me fais respecter. Ouais. Ok, là, il y a une poubelle. Hop là, tac. Ok, machine. Ok, donc là, on a les cours de cuisine. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai l'impression de... Je me remémore mes années d'études, mes années d'école. Vraiment incroyable. Enfin, vraiment, ça me... Je suis nostalgique, Anna. Bah, moi, j'y suis pas. Hein. Ah ouais Pas non, du tout, vrai, j'aimais pas l'école. Hein. Non, mais j'aimais pas l'école non plus, hein. Pour être honnête. Il faut aller à l'école. Hein. Faites des études, c'est important. Apprenez des choses, soyez cultivés. Mais par contre... vraiment, je n'aimais pas l'école. Alors là, l'école, vraiment... J'ai jamais... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment. Hein. Ouais, parce que je trouve, en fait, le système scolaire français, bon, faut pas trouver ça comme excuse, parce que j'ai jamais trouvé ça comme excuse. Et j'ai eu mon bac et j'ai fait des études sup, pour vous dire. Donc, voilà, même si je suis youtubeur et que c'est un métier débile, j'ai fait des études. Mais je vais vous dire une chose, il faut aller à l'école, c'est important. Mais par contre, le système français, je trouve, est vraiment pourri. Il est vraiment pourri. En fait, je trouve qu'il est... Ouais, il est... Il est compliqué, je trouve que c'est assez complexe. Alors là, ok, bon, moi j'ai fait le self. Là, je suis au self. Je sais pas toi, mais moi là, je suis au self. Moi, je suis à la salle de cinéma. T'es à la salle de cinéma. Ah, je sais même pas si j'ai fait une salle de cinéma. Là, ah, mais je suis qu'à 56% du truc. Waouh, ok, j'aurais dû prendre ça avant. Hein. Oh là, galère. Mais pourquoi est-ce que j'ai. Ok, là, il y a les. Oh, mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris. Le truc avant, j'avais pas vu que j'étais qu'à 57%. Oh non, mais c'est quoi ce délire? Mais oh là 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 là. Ah ouais, mais là ça va être super long. Ok, bon, on va essayer de plier ça rapidement. Je sais pas si on va finir le truc, parce que si on va finir tout ça, parce que c'est vraiment vachement long. Mais en tout cas, là on a vraiment une école. Ouais, on a vraiment une école de zinzin quand même. Hop là, garde-corps, casier. Tac. Ah ouais, non, c'est super long. Oh là 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 là. Annonce. 60%. Ouais, ça va être bas de long. Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Là-bas, il y a des choses, là, il y a ça. D'un point de vue extérieur, l'école, elle est comment? Elle est pas mal. Non, je suis tombé, c'est pas vrai, je suis tombé. Bon, il faut que je remonte. On va aller de l'autre côté. Il va falloir que je mette le toit, les lumières, garde-corps, casier, garde-corps ici. Ah, il faut en mettre vraiment partout des garde-corps. Là, qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est quoi qu'il faut mettre? T'as combien d'étudiants, là, Anna? 74. T'as 74.
74 étudiants. Ouais. Ok. Alors attends, et je vais prendre aussi le truc pour aller plus vite. Vitesse, est-ce que je l'ai pris? Non, je l'ai pas pris. Ouais, je vais le prendre parce que. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? Ah ouais, là. Ah ouais. Ah là, 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 je vais être bing. Là, je vais être bing. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que là, oh, c'était long. Oh, c'était long. Ok, c'est bon. Alors là, il faut que j'aille chercher. J'ai quoi d'autre? Oh, par contre, il est mal codé, hein, ce tycoon. Hein. Là, ah ouais pour. Ouais, je trouve il est super mal codé. Il est super mal opti. Mais au niveau de. Bah, des flèches directrices pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout. Là, c'est quoi, tableau d'affichage? Parce qu'en fait, il faut cliquer. Une fois qu'on a amélioré, ça disparaît. Et il faut remettre. Enfin, faut recliquer sur le bouton pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Là, je suis à combien? Je suis à 63%. Oh, ouais, ça va pas avancer rapidement. Hein. Hop là. Là, on met ça, les fenêtres. Ok, allez, on fait tout le tour pour mettre les fenêtres. Tac, tac. Ici, trophée, plante. Qu'est-ce qu'on a? Faut que je fasse le tour par ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mur, fenêtre. Ici, des fenêtres encore. Il y a les récompenses. Et alors là, animal de compagnie. Ok, bon, je sais pas ce qui va me donner de plus, l'animal de compagnie. Probablement pas grand-chose. Hop là, voilà, voilà. Et voilà. Ok, c'est parti. Ah, là, il y a les nouvelles salles de classe. Là, il y a la bibliothèque, les fenêtres, la bibliothèque ici. Hop là, on va mettre tout ça. Ici, c'est cours de musique. Ok, cours de musique ici. Tac. Alors, boum. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la cour de musique. C'est pareil, les cours de musique, t'aimais bien les cours de musique? Ouais, ça va. Cours de musique, tu chantais juste, t'apprenais pas d'instrument? Non, on apprenait pas d'instrument. Ouais, c'est pareil, pour moi, c'est pas de la musique là. Tu vois, c'est pareil, je trouve que. Bon, après, ce qui est bien, mais c'est. Mais par contre, on étudiait des musiques. Ouais, moi, j'étudiais des musiques et des. En vrai, bah, il y a des bonnes musiques. Oasis, Wonder. Wonderwall. J'ai étudié quoi à l'école? J'ai étudié Aznavour. J'ai étudié qui? Je sais plus. Les Beatles. Enfin, John Lennon plutôt. J'ai étudié qui? Mais ouais, en tout cas, et j'avais un prof de musique. C'était un gueudin un peu. Il me fumait. Ouais, moi aussi. C'était un peu un mec. Je pense que tous les profs de musique, ils sont un peu bizarres. Je me rappelle, il est arrivé, c'était un motard. Enfin, je sais pas s'il est toujours, s'il bosse toujours. C'était un motard, il est arrivé, je sais plus son blaze à ce mec, mais en tout cas, il est arrivé, c'était vraiment genre bah, le cliché typique du. Pas du motard rock et tout, machin, gothique. Non, je déconne. Mais en mode pas pop rock et tout, mais motard, ouais, le dégaine du motard, quoi. Je sais pas. Pour moi, les motards, c'est tous des PNJ. Mais bref. Et ouais, du coup, voilà, c'était un peu un gueudin. Et si j'avais une autre prof de musique, mais je crois elle était un peu dépressive, donc des fois c'était un peu cringe, mais bon. Voilà, en tout cas, la musique, ça allait. Tac. Bon, alors là, où est-ce que j'en suis? Là, j'ai une nouvelle salle de classe. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, c'est physique. Alors ça, ouais, ça c'est cash physique. Hop là. Là, t'as combien d'étudiants, Anna? J'en ai 78. 78 étudiants? J'arrive plus à avancer, là. J'en ai 172, moi, des étudiants. Ouais, là, tu dois galérer un petit peu, hein. Là, c'est vraiment cher. Ah, là, j'ai là. Oh, pareil. Oh, ça sert à rien. Un cours qui sert à rien. La techno, c'est inutile. Ouais. Oh, la techno, c'est inutile. J'avoue, c'était un des pires cours. Oh là là, mais la techno. Mais les profs de techno, mais ils sont payés. Ils sont payés à rien faire. Je sais même pas combien ça coûte. Combien ça coûte à l'État de payer des profs de techno, mais augmenter le salaire des profs de maths plutôt. Mais les profs de techno, mais c'est inutile. Désolé, hein, si vous. Alors là, par contre, je vais peut-être vexer des gens. Si vos parents sont profs de techno, ils sont très gentils. Hein. Très gentils, les profs de techno. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une matière qui ne sert strictement à rien. Et vous allez me dire, ah, mais si, comme ça, tu peux apprendre, tu t'apprends les bases de développement. Non, ça ne sert à rien. Voilà, je parle dans mon expérience. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Moi, j'ai jamais rien appris en techno. Tu n'apprends rien. Les gens n'ont rien à carrer. C'est une matière qui est inutile parce qu'au final, t'apprends peut-être des bases, d'accord, mais au final, les gens n'ont rien à carrer, ils ne retiennent rien, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Voilà, c'est la matière qui, par excellence, ne sert à rien. On va même pas retenir, c'est pas comme la musique où voilà, on joue pas d'un instrument, mais au moins on retient les musiques, elles restent dans nos têtes et ça développe la culture G. Là, la techno, ça ne sert à rien. Apprendre Scratch, les trucs de Golemon, là, c'est pareil, c'est inutile. Je sais pas qui a eu l'idée, quel est l'imbécile qui a eu cette idée là, mais c'est vraiment c'est la pire décision qu'il ait pu prendre. Voilà, c'est clairement la pire décision qu'il ait pu prendre. C'est ramener des profs de techno qui sont payés et qui sont payés à rien faire, parce que la plupart, en tout cas dans mon expérience, mes profs, ouais, je vais devoir me kill là, réinitialiser
des personnages, tac. La plupart des profs de... Non mais sérieux là, hop là. Ouais. Ah ok. La plupart des profs de techno que j'ai eu, en tout cas, c'était des bons à rien. C'était des bons à rien. Moi mon prof de techno, il était hyper investi, il aimait ce qu'il faisait, mais moi j'aimais pas la techno, donc... Il faisait l'appel pendant 30 minutes. En général, les cours de techno, c'était des cours d'une heure et demie, non? Je crois. Enfin, moi, en tout cas, dans mon école, moi, c'était des cours d'une heure et demie. C'était des fois, une fois toutes les deux semaines. T'es en train de parler de faire l'appel pendant une heure et demie. Moi, je me souviens que j'avais un prof. Des fois, on l'avait pendant... Nous, nos cours au collège, c'était 50 minutes. Ouais. Et le prof finissait l'appel... Il restait 2 minutes de cours. Ah ouais? Oh là là. Non mais ça c'est... Mais ces profs là mais... En fait il était vraiment pas respecté. Il prenait l'heure entière juste pour faire l'appel. Ouais, nous c'était ça aussi. Mais en même temps, enfin, quand tu fais ça, comment tu... Enfin tu récoltes ce que tu sais, moi j'ai envie de dire, hein. Ah bah après il était voilà, je veux dire, il était pas méchant, mais... Ouais, c'est ça. Au contraire, il était trop... Il aurait pas dû se faire marcher dessus comme ça, malheureusement. Ouais, après c'est complexe. Bon, là je suis à 94% d'avoir fini mon école. Là ça a bien avancé, j'ai fait un terrain de basket dans mon école. C'est pareil, si les écoles avaient un budget, voilà, un budget, un vrai budget, surtout les écoles privées, je trouve que c'est je trouve ça honteux de même pas avoir de stade de gymnase, de propre gymnase, genre une école privée normalement c'est censé avoir du budget, avoir fait... Moi j'avais un gymnase, hein, au lycée. Ouais mais parce que t'es dans le privé, mais c'était un vieux gymnase un peu pourri, non? Tu vois, il y avait... Non, pas ça allait. Non, ça allait. Moi j'avais un gymnase, ouais. Mais c'était un gymnase, il était pourri, le gymnase du lycée. C'était vraiment un truc, c'était moi, un truc... Moi après, ce que je trouve ça dommage, c'est que quand t'es au lycée ou au collège, t'as pas accès au gymnase quand on a envie. Ouais, après ça je suis d'accord, moi je trouve entre ça dommage, entre les cours ou des trucs comme ça, ça aurait été pas moi, mal. Moi je trouve qu'ils devraient mettre des terrains de foot, terrains de basket, des trucs un peu cool, quoi, genre tu sais, dans les écoles et tout, enfin je veux dire, les Américains, bon après c'est pareil, on aime trop se comparer aux États-Unis, mais ouais, pour le coup, au niveau du sport, je trouve on est à la ramasse là pendant les temps libres et tout, que les gens puissent vraiment faire du sport. Se dire que dans les séries américaines hyper clichés, vraiment les gens vedettes, c'est des sportifs de ouf. Bah oui, bah ouais. T'as les footballeurs, les footballeurs américains. Les pom-pom girls et tout, c'est que clairement, des sportifs, les gens qui... Clairement, les gens populaires, c'est ça. Clairement, c'est que ça. Et justement, en France... Rien à voir. Ah, c'est pas du tout, mais pas du tout ça. Hein. Mais vraiment, on est loin de ça. Hein. Là, j'ai bientôt fini mon... Là, je suis à 97% d'avoir terminé. Donc là, il faut que j'améliore quoi? Où est-ce qu'il faut que j'améliore? Et c'est quoi? What? Mais c'est où? Ah, c'est dans le terrain. Ah ouais, ok, c'est dans le terrain de basket. 7 millions, ok. Et là, 98%. Hop là, tac. Là, faut que j'améliore quoi? C'est quel côté? Ah oui, c'est là-bas. Là-bas, il faut que j'améliore. Donc là, c'est quoi? C'est le théâtre. Ah, là, il y a un théâtre. Moi, dans mon lycée, il y avait un amphi. Il y avait un amphithéâtre, par contre, dans mon lycée. Il y avait un bon amphithéâtre. On avait un amphithéâtre où je faisais les contrôles, les partiels. Bah, pas les partiels, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, les DST, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé. T'as fini? Ouais, j'ai terminé. Hop là, je mets les sièges et boum. Alors que moi, je suis qu'à 40%. Ah non, moi là, j'ai totalement terminé. Bon, les amis, je crois que c'est bon. J'ai terminé. Ah non, mais attends, j'ai pas terminé. Bon, aussi, j'ai terminé. Je suis à 100%. Il y a des petits détails à finaliser, mais j'ai terminé. En tout cas, les potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Anna. C'était un cadeau et Anna. Ciao, ciao, les potes. Bye, bye.